Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, comme d'habitude. Je me suis trompé de générique. Salut à tous, c'est Tonton Mathis, YouTubeur, j'espère que vous allez bien. Et oui, j'ai pas l'habitude de faire salut à tous et bonjour à tous. Parce que là, c'est pas le même générique, Tonton Mathis, YouTubeur. Donc là, nous sommes actuellement à Noël, et oui, ça y est, joyeux Noël tout le monde. Nous sommes le 25 décembre, mardi 25 décembre 2018, et c'est le jour de Noël. Et quand vous écoutez, il y a de la musique à côté, c'est normal car on est en train de fêter Noël, on fait la fête là. Hier soir, on s'est bien amusé, on a fait la fête avec ma famille car là actuellement, je suis chez mon cousin en train de fêter Noël. Hier, j'ai fait la fête jusqu'à 1h du matin et là, on continue la fête encore aujourd'hui. Bon, elle est bientôt terminée la fête, mais on l'a fait quand même toute cet après-midi là et hier soir quand même. Pas ce matin quand même, mais... Jusqu'à 1h du matin hier et maintenant jusqu'à maintenant encore quoi. Donc voilà. Alors c'est juste, j'ai envie de vous dire quelques projets et voilà, des projets que je veux faire. C'est que déjà, les projets, ben déjà cette année, il y aura beaucoup de vlogs aussi cette année sur Tonton Mathis YouTubeur. Donc au mois d'avril, il y aura des vlogs dans l'avion. Quand je partirai dans le nord chez ma mamie, je ferai un vlog dans l'avion, car normalement nous avons le droit dans l'avion, je pense. Enfin, l'année dernière, on n'a jamais filmé dans l'avion l'année dernière, mais il faut mettre en mode avion quand on filme dans un avion en fait. Si vous voulez filmer dans un avion un jour pour mettre sur votre chaîne YouTube, enfin si vous en avez une chaîne YouTube et que vous devez prendre l'avion bientôt, bah mettez le mode avion et puis il n'y aura pas de problème. Normalement, les hôtesses de l'air ne vont pas vous embêter. Les hôtesses de l'air, de toute façon, ne vont pas passer tout ça venu pour dire il est interdit de filmer dans l'avion. Non, non, vous inquiétez pas, les hôtesses de l'air, de toute façon, sont en train de énoncer les consignes de sécurité et puis elles sont à l'avant de l'avion. Donc voilà, donc je leur filmerai dans l'avion l'année prochaine. Il y aura plein de vlogs. Les timelapses, on aura un joli qui va arriver demain. Vous inquiétez pas, il y aura un très joli timelapse qui arrivera demain. Oui, parce que demain il y aura un beau timelapse qui va arriver. Je ne sais pas, c'est pas quand, puisque il arrivera quand il arrivera, quoi, le timelapse. Il arrivera quand il devra arriver, de toute façon. Il arrivera demain, mais je sais pas quand, où je vais filmer simplement. En fait, je ne sais pas où est-ce que je vais filmer le timelapse. Mais comme je vais rentrer chez mon cousin pour aller rentrer chez moi en Ariège, dans ma ville, enfin en Ariège quoi, dans ma ville quoi. Et ben pour rentrer, bah je vais pas filmer tout le trajet car le trajet dure 1h30 et puis la vidéo va pas durer 1h30 car c'est en accéléré, mais elle durera une demi-heure, 1h. Elle sera super longue et comme YouTube n'accepte pas les vidéos de 15 minutes, donc c'est pour ça que je vous ferai une partie de quelques petits tronçons du trajet que je fais pour rentrer chez moi. Quelques tronçons, on va dire. Donc voilà, on va faire quelques tronçons. On va jouer un peu à Megapolis, on va se faire plaisir, c'est Noël aujourd'hui. C'est Noël, joyeux Noël. Hein. Donc voilà. Donc vous entendez la musique à côté, hein, c'est normal, c'est la fête aujourd'hui. Et oui, c'est la fête. Hein. Je sais pas si vous m'entendez, je pense que oui, hein, normalement on devrait m'entendre. Hein. Donc voilà. Donc Megapolis, il y a eu quelques nouveautés dans Megapolis. Donc les nouveautés déjà, c'est que j'ai agrandi mon territoire dans ma ville principale, que les quatre villes, et dans ma ville principale, donc la ville la plus grande. Hein. La plus grande ville, donc la plus grande ville, c'est la ville principale. Et bah, dans la ville principale, j'ai agrandi le territoire grâce à 10 mégabucks. Il fallait 9 mégabucks pour payer l'agrandissement. 9 mégabucks, c'était très 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 compliqué à débloquer la ville. Mais j'ai réussi. Maintenant, je peux construire des maisons car il n'y a vraiment plus de place dans ma ville. Voilà, vous verrez ça tout ça dans la vidéo. C'est pas ça ma ville, hein. Ça c'est le démarrage du jeu, ça. C'est pas ça, c'est marqué... Bah voilà, il y a là ma ville. On voit pas tout, mais... On peut vous montrer. Alors, par contre, il bug beaucoup mon jeu. Oula! Là, il y a un gros bug qui fait disparaître les bâtiments. Bon, bah, au final, c'est mal barré de vous montrer ma ville. Oula, c'est quoi ce bazar? Alors, ça, si vous inquiétez pas, mes maisons sont toujours là. Hein, parce que, bah, donc, ouais, les parcelles, mais comme il y a un bug, bah, ça nous. Regardez, là, c'est l'aéroport, des avions sont dans l'air. Bon, super. Bah, je crois qu'on va pas pouvoir vous présenter ma ville, du coup. Bah, non, je vais pas pouvoir vous la présenter, que dès on voit quelques bâtiments, ils sont tous. Oula là, c'est quoi ce bazar? Bon ben, je dis que je vais présenter ma ville, bon je la présente pas au final. Je voulais vous montrer l'agrandissement de mon territoire, mais non en fait on peut pas.
Car regardez, vous avez ce gros bug qui est très désagréable en tout cas. Très désagréable, mais vous inquiétez pas, ça va respawn. Hein, les bâtiments, ils vont respawn. Quand ils ont des spawns à cause des bugs. En ce moment, Megapolis bug beaucoup. C'est pas pourquoi, mais Megapolis, j'ai eu presque seulement depuis que je l'ai installé au mois de juillet. Megapolis, depuis le mois de juillet. Depuis le mois de juillet, j'ai eu seulement 3 semaines où ça a pas bugué. J'ai compté 3 semaines. 3 semaines sans bug. Et toutes les autres semaines, alors qu'il y a beaucoup de semaines depuis le mois de juillet, hein, du mois de juillet au mois de décembre. Et bah, toutes les autres semaines, il n'y a fait que bugger Megapolis. Hein, il y a fait 3 semaines. Bien sûr, je lâche pas les bras. Hein, je lâcherai pas les bras. Je vais continuer quand même à y jouer, hein, Megapolis. Hein. Mais depuis le mois de juillet, il y a seulement 3 semaines. Pas 3 semaines d'affilée, mais 3 semaines depuis le mois de juillet où il bug pas. Alors sinon, les autres jours, ils bug tout le temps Megapolis. C'est tout le temps, c'est. Bon, bien évidemment, c'est pas très énervant parce que maintenant, j'y suis habitué. Au début, je râlais à cause des bugs. Maintenant, je râle plus parce que j'y suis habitué car ça bug tout le temps. Pas comme ça, hein, pas des gros bugs comme ça, mais. Par exemple, il y a la musique dans Megapolis, il y a la musique dans Megapolis. Bah, la musique elle marche pas. Là, c'est les bâtiments qu'ils ont. Là, il y a les bâtiments qui n'apparaissent pas. Des fois, il n'y a pas de musique. Des fois, quand je veux me déplacer dans la ville dans Megapolis, je peux pas parce que ça bug, ça coupe. Il y a beaucoup de bugs comme ça, c'est presque tous les jours. Donc voilà, c'est rare que le jeu est normal. Mais bon, nous sommes à Noël, hein. Voilà. C'est la fête, c'est Noël. Alors, je vais vous montrer un truc, une application. Je ne sais pas si vous l'avez déjà présenté. C'est Air Traffic. Et oui, Air Traffic. Je ne sais pas si vous l'avez déjà présenté. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, si je voulais pas le présenter, bah, je vais le présenter maintenant. Hop, Air Traffic. À un moment, le temps. Et bien, en fait, tous ces avions-là, ce sont des vrais avions, tout simplement. J'espère que ça va marcher, ça, ce coup-ci. Regardez, tout ça, ces avions-là, ce sont des vrais. On va appuyer dessus. Regardez, là, il va de. Je ne connais pas cette ville. Lester, personne, et là Fredix. Ok. Donc voilà. Donc là, tout ça, ce sont des vrais avions, regardez. Donc là, on va en France, on va chez nous. C'est un peu Google Maps, mais en version avion. C'est un radar, en fait. C'est un radar, en fait. Et bah, du coup, c'est un radar. Donc voilà, ça, c'est par exemple, là, ici, il y a un avion qui survole. Ici, il y a un avion. Attendez, avion. Regardez l'avion bleu, en fait c'est un vrai avion, il a décollé de Londres, Heathrow, donc l'aéroport il vient de Londres, qui va à Kokota, je connais pas cette ville. Et c'est un 744, mais 744 c'est une arnaque ça, c'est un 747 en vrai. Disons, regardez. C'est British Airways, ce sont des vrais avions, c'est pas un jeu là, c'est un vrai radar et puis on repère réellement les vrais avions qui volent actuellement là, regardez. Cet avion il a décollé de Londres et là il est en France, dans les Pyrénées apparemment là. Il est dans les Pyrénées, puis il est en train de voler actuellement pour de vrai. C'est-à-dire que si on voit dans les Pyrénées, bah, on le verrait. Si on regarde dans le ciel et qu'on est dans les Pyrénées, bah, on le voit réellement cet avion-là. Regardez, tout ça, regardez, il y a quand même beaucoup d'avions. Regardez, ça, ce sont tous les points, c'est un avion en fait. Alors, cet avion-là, là, je suis à côté d'Albi, là, EasyJet. Porto, Genève, il a décollé de Porto, il va à Genève. Lui, Madrid, à Zurich, et lui. Madrid à Ruse-Drogeville. Mais bon. Voilà, c'est juste pour croiser au pif. En fait, c'est un radar et puis des vrais avions qui volent. Donc voilà. Donc, c'est juste une vidéo pour vous dire joyeux Noël. Parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne YouTube. Sur Nathalie Fabry, j'en ai fait tous les jours. Mais sur cette chaîne YouTube-là, j'en ai pas fait souvent. Donc, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Nathalie Fabry, je vous invite à aller vous abonner à Nathalie Fabry, à cette chaîne YouTube-là. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est très important. Abonnez-vous pour bombarder la chaîne YouTube. Surtout que sur Nathalie Fabry, on est presque 90 abonnés. Et puis, on est tout proche des 100 abonnés quand même. Hein. Plus qu'une dizaine d'abonnés de plus. Il faut pas 10 abonnés de plus, hein, mais une dizaine, entre 10 et 20 abonnés de plus. Et puis, ça y est, on est aux 100 abonnés. Donc, on n'est vraiment pas loin. On est à côté là, de 100 abonnés. À mon avis, pas forcément début 2019, mais pendant l'année 2019, je les aurai les 100 abonnés. C'est sûr, on n'y est pas loin là. Et puis, tonton Mathis YouTube, j'ai l'impression que ça avance pas beaucoup. Et oui, ça m'étonne pas parce que les vidéos, n'en fait pas souvent. C'est pour ça que ça avance pas beaucoup. Ça fait presque 2 mois que les 40 abonnés. Mais j'essaierai de faire plus de vidéos pour avoir de plus en plus d'abonnés. Donc, je vous invite à bombarder cette chaîne YouTube, à bombarder, enfin, qu'il y ait beaucoup d'abonnés, quoi, aussi. Je vous invite. Alors, on va pas me dire en commentaire. Mais tu as passion, ils vont arriver, tes abonnés. Oui, je sais, mais c'est parce que c'est important. C'est important pour avancer la chaîne YouTube, voilà. Surtout qu'on a Noël aussi en plus.
Dire que l'année dernière, sur ton tomatiste YouTube, sans Nathalie Favry, machine Nathalie Favry, sans machine Nathalie Favry, bah, il avait que 20 abonnés à cette époque-là. 20 abonnés en décembre 2019 et maintenant, décembre 2017, il avait 20 abonnés. Et maintenant, j'en ai 88 abonnés à maintenant. Alors, un an plus tard. Vous vous rendez compte, c'est quand même énorme. Donc, j'ai eu beaucoup d'abonnés en plus. Donc, voilà. C'est pas trop quoi jouer comme Megapolis Bug, YouTube, vous connaissez tous, Royal Car Driving, le fils de Nathalie Favry, tout ça. Voilà. Et vous inquiétez pas, sur Tonton Mathis YouTube, il y aura une vidéo spéciale. En le 1er décembre, oh, je ferai des vidéos avant le 1er janvier 2019, mais le 1er janvier 2019, il y aura une vidéo où je souhaite la bonne année à tout le monde. Je dirai bonne année tout le monde. Oui, c'est ça. Pas au moment du décompte, qu'à le moment où je fais la vidéo spéciale la nuit à minuit, quand même. À minuit, quand je ferai le décompte, du nouvel an, le décompte du nouvel an qui se passera à minuit, ce sera sur ma chaîne, sera sur Nathalie Favry. Mais sur Tonton Mathis YouTubeur, ce sera le lendemain, le 1er janvier, pour vous souhaiter une très bonne année. Mais il y aura d'autres vidéos avant ça. Hein. Déjà demain, il y a le timelapse, demain. Là, aujourd'hui, il y a cette vidéo-là. Et puis la prochaine fois, il y aura une autre vidéo, quoi. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer une vidéo sur Megapolis aussi. Je vais vous montrer une vidéo sur Megapolis très bientôt aussi. Une vidéo sur Megapolis qui va sortir. Après, on va faire une vidéo spéciale Nouvel An. Et puis après, il y aura plein de choses. Hein. Il y aura plein de vidéos pendant par mois, hein, quand même. Hein. De toute façon, Nathalie Favry, c'est tous les jours. C'est sûr, c'est une promesse que je fais. Je tiens mes promesses tous les jours. Une vidéo par jour, ou même deux vidéos par jour. Si vous êtes bien actif, si vous êtes vraiment fort actif. Ah bah sur Nathalie Favry, pas sur cette chaîne YouTube là, mais sur Nathalie Favry, j'essaierai de faire deux vidéos par jour. Pas tout le temps, mais peut-être une vidéo par semaine ou une vidéo par semaine où il y a une vidéo. Par exemple, une journée dans la semaine, il y a une journée dans la semaine où vous ferez deux vidéos. Peut-être, c'est pas sûr, mais bon, peut-être. Donc que ce soit sur Nathalie Favry et sur Tonton Mathis YouTubeur, j'aurai beaucoup de vidéos, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de vidéos de prévues sur Tonton Mathis YouTubeur, à part le timelapse, mais après, il y aura la vidéo spéciale Bonne Année. Après, sur Tonton Mathis YouTubeur, il y aura l'ouverture des vlogs qui se passera le 1er avril, où je serai dans ma rue chez moi, on sera le 1er avril devant ma rue chez moi, pour ouvrir la saison des vlogs et de l'été, printemps-été. On fera une vidéo. Ça y est, la saison des vlogs, c'est entre avril et septembre. Mais ça y est, c'est le printemps, les vlogs commencent. Ce sera le 1er avril, même le printemps il commence le 20 mars, mais ça commence le 1er avril, c'est comme ça. Et puis le 15 septembre 2019, je refermerai ma chaîne YouTube. Après, il y aura une vidéo vlog le 20 avril, je sais, j'en parle souvent, mais c'est parce que c'est vrai, c'est la vérité. Je ferai une vidéo dans l'avion, à moins qu'il y ait une grève, mais il ne faut pas espérer les grèves, ça, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de... Enfin, il n'y a pas beaucoup de grèves en ce moment, mais ça serait le pas de bol quand même, une grève au moment où je pars. Mais je ferai une vidéo au décollage et à l'atterrissage de l'avion pour aller dans le nord chez ma mamie. Je ferai un vlog dans le village de ma mamie, dans ma maison de vacances qui se trouvera dans le nord. Et puis après, le 24 avril, vous inquiétez pas, mais en fait, il y aura un grand concours spécial Voyage aux Caraïbes. Et en fait, pour gagner le voyage aux Caraïbes, si vous voulez gagner le fameux voyage aux Caraïbes que tout le monde rêve, je suppose, vous pouvez gagner n'importe île, hein. Dans une île, par exemple, aux Caraïbes, en Guadeloupe, en Martinique, enfin n'importe où. Et vous dites dans quelle île vous voulez aller et une question sera posée. La question, je la poserai pas aujourd'hui, mais je la poserai un autre jour. Il y aura une question qui sera posée. Et si vous répondez bien, vous aurez des chances de gagner. Et ceux qui répondent mal, ils ont sûr de perdre. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires et surtout à abonner vos amis. Et bye bye tout le monde et joyeux Noël.